Kongoyasika, un.com, l'information sans déformation. Kongoyasika, un.com, c'est ici que ça se passe sur le net. Kongoyasika, un.com, la suite et la fin, c'est nous. Non, ce n'est pas du blague. Manifestement, vous posez des questions qui montrent que vous ne connaissez pas bien la position du PS, que ce soit pour le vivre ensemble ici, que ce soit pour la politique subsaharienne. Voilà. Moi, je suis président de la Commission des relations internationales en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je suis parti plusieurs fois au Congo en tant que chef de délégation. On a été rencontrés et la position non seulement du Parti Socialiste, mais même du gouvernement belge, etc., est qu'il n'y a pas de troisième mandat. Ça, c'est clair et net. Et je pense que même le Parlement et les représentants de Kabila se sont engagés à ne pas faire de troisième mandat et que le président n'a pas dit encore officiellement qu'il démissionnerait et qu'il ne se représenterait pas. Ça, je suis certain et la Belgique ne tolérera de toute façon pas cette position-là et plus particulièrement le Parti Socialiste. Et j'ajouterais le ministre Labille, qui est ministre de la coopération au développement, Jean-Pascal, qui est un amoureux du Congo. Et qui sera là le samedi. Et qui sera là samedi. Son épouse, sa première épouse, d'origine congolaise. a retravaillé un peu tout le système de coopération avec le Congo en intégrant véritablement, c'est une obsession chez lui, la diaspora. Et donc il y a vraiment, je vous le signale, puisqu'on parlait tout à l'heure de diaspora, Jean-Pascal qui sera là samedi, je vous y invite, vraiment retravaille un peu le style de la coopération qu'on peut avoir avec le Congo. Ça vaut la peine de le rencontrer et il vous expliquera aussi la position du PS sur le Congo. Voilà.